Depuis ses débuts, Investigation soutient la souveraineté des peuples. C'est pourquoi le combat des Palestiniens est pour nous primordial, depuis toujours. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. Notre maison d'édition a déjà réalisé 6 livres sur le sujet. Et nous en préparons un 7e. Gaza, Ma vie sous les bombes, de Ziad Medouk. Un témoignage aussi bouleversant qu'essentiel du martyr et de la résistance du peuple palestinien. Investigation, c'est aussi un média dans lequel Michel Collomb n'a cessé depuis des années de combattre la propagande de guerre sioniste. En 2022, il a lancé Télé-Palestine, où Candice donne enfin la parole aux Palestiniens. Pour pouvoir donner un contre-point de vue par rapport à ce qu'on trouve dans des médias dominants. Nous sommes également présents sur le terrain, via nos conférences et notre présence aux manifestations. Nous avons lancé l'opération Gaza Vérité pour échanger vos expériences dans ces discussions très difficiles et soutenir la mobilisation pour les droits des Palestiniens. Nous avons fait le choix d'une information gratuite, sans pub et indépendante. Évidemment, ça dérange. La censure et les pressions en coulisses s'intensifient. Malgré tout ça, Investigation a investi 7 emplois de journalistes et chercheurs traquant les médias mensonges. Mais pour continuer à publier d'autres livres sur la Palestine, faire des émissions, renforcer notre impact et poursuivre ce combat qui est aussi le vôtre, Investigation a besoin de vous. Devenez donateur mensuel. C'est ensemble que nous gagnerons la bataille de l'info.